avec la présidente du Conseil national du Parti communiste, Isabelle Almeida. Merci. Chevauche d'autres moments. C'est pas grave. Donc, chers camarades, nous arrivons au moment de clôture de notre université d'été. J'espère que tout va bien, que tout s'est bien passé pour vous toutes et vous tous. J'espère que chacune, chacun a pu apprécier la douceur angevine. Je trouve moi des fois un peu trop de fraîcheur, mais bon, c'est pas grave. Je pardonne les camarades. Le cadre agréable de ce campus de la Belle Baye, qualité de l'accueil, les conditions d'hébergement, d'organisation des ateliers, des conférences, des moments culturels. Et vous avez pu apprécier, c'était une nouveauté hier, notre action publique hors des murs, notre marche pour les services publics, notre belle grande chaîne belle. Et avec la participation des parlementaires communistes et de Yann Brossa, notre chef de file pour les élections européennes. Initiative qui s'inscrit dans notre tour de France des hôpitaux où plus de 100 établissements ont été visités par nos parlementaires et par vous-même, plus de 6000 personnes rencontrées. Nous allons donc poursuivre cette bataille, comme l'a dit hier Alain, pour exiger un plan d'urgence pour l'hôpital, car je ne suis vraiment pas sûr que les prochaines annonces de la ministre de la Santé seront à la hauteur des besoins. Alors je veux, au nom du Conseil national, remercier toutes et tous les camarades qui se sont démenés depuis plusieurs mois et pendant ces 3 jours pour réussir cette édition 2018. Donc un grand merci fraternel à la direction de l'université d'été, à Guillaume Roubaud-Kouachi, qui bien que rodé depuis 3 ans, a su innover et intégrer de nouvelles demandes, nouvelles formes de débat en fonction de l'actualité et de la période politique. Aurélien Guillot, qui à ses côtés assure et coordonne les questions techniques. Un grand merci très fraternel à Alain Pagano, secrétaire départemental, au ministre de tous les ministres de la Fédération du Maine-et-Loire, les jeunes communistes du Maine-et-Loire, qui nous font encore très bien accueillis et qui ont pris des initiatives nouvelles cette année, notamment avec la soirée initiative de chaîne humaine d'hier soir, et comme l'a dit Guillaume, c'est pas toujours facile à tout organiser. Bon. Et bien entendu, à toutes et tous les camarades qui ont assuré avec efficacité, fraternité, les tâches d'organisation, d'installation, d'accueil des intervenants, des participants, les tâches de communication, d'accueil sécurité, sans qui toutes nos initiatives nationales n'existeraient pas. Alors merci à vous. Je veux aussi remercier les intervenantes et intervenants qui, je l'espère, ont également apprécié la qualité de notre accueil, des débats de la fraternité communiste. Remercier les camarades qui ont animé les ateliers, les conférences, les responsables de secteur, l'équipe de cause commune, l'ensemble des revues, la Fondation Gabriel Péri, le MJCF qui a aussi animé ou co-animé des ateliers et fait participer de nombreux jeunes militantes et militants. Remercie aussi les librairies qui nous offrent chaque année un large choix de livres. Je tiens aussi à remercier les directions de l'Université d'Angers et du CROUS qui nous ont, pour la 3e année consécutive, permis de tenir notre université dans leurs locaux. On verra pour l'année prochaine, comme l'a dit Guillaume. Oui, cette liste de remerciements, elle est longue, mais j'aurais envie de dire tant mieux, car elle montre la richesse de notre collectif militant, d'hommes et de femmes communistes en capacité de réussir de telles initiatives. Cela dit quelque chose de nous, de notre organisation. Sachons dans les mois à venir nous faire confiance. Ayons confiance en notre collectif pour mieux déployer toutes les énergies et les compétences militantes. Et je voudrais ici rassurer nombre de commentateurs qui, depuis le début de la semaine, décrivent le soi-disant climat de morosité, de malaise chez les militants politiques à l'occasion de cette rentrée. Et voire nous concernant que nous serions sous tension à quelques mois de notre congrès. Mais je voudrais là aussi vous informer que face à la quasi-absence des médias à notre université d'été,
Nous avons envoyé un communiqué pour protester par rapport à cela. Et quand je dis quasi-absence, nous avons vu que seulement la couverture par de l'université, par la presse régionale, France 3, l'AFP et bien sûr l'Humanité. Et nous allons exiger du CSA un bilan sur les temps passés par rapport aux initiatives de rentrée des partis politiques. Nous pourrions envoyer un message à tous ces commentateurs, disant morosité, malaise, tension, qu'il n'en est rien de leurs allégations. Leur dire que ces trois jours, ça nous a fait du bien, et que ça fait du bien de faire de la politique. Cette université d'été, c'est comme un temps de pause, et comme le disait Guillaume, ça permet de lever la tête du guidon, pour apprendre, découvrir, réfléchir, confronter les idées, les réflexions, échanger sur nos expériences militantes, mais aussi faire des connaissances entre militants des quatre coins du pays et partager des moments de convivialité et de fraternité. Oui, oui, c'est cela la marque de fabrique de l'université d'été du Parti communiste. Et c'est bien ce cocktail qui attire autant de camarades chaque année, avec près de 1000 participantes et participants venus de plus de 70 fédérations cette année. Des nouveaux adhérents, des camarades en responsabilité, des jeunes, des camarades aussi ayant plus d'années et plus d'expérience. Oui, et je l'ai encore entendu cette année, il est souvent difficile de choisir dans un programme aussi riche. Un programme d'ateliers, de conférences qui nous permet d'apprendre, d'approfondir, d'échanger, soit sur des questions nouvelles que nous n'avions encore pas abordées, des questions, mais aussi des sujets liés à notre histoire, à l'histoire, que ce soit aussi des questions des fois un peu ardues, des questions scientifiques, comme aussi de partager des moments culturels, mais aussi aborder les questions d'actualité, elles ont été nombreuses, pour être à même d'engager de prochaines batailles, apprendre aussi sur les pratiques militantes et savoir utiliser les outils nécessaires. Et puis nous avons voulu aussi coller au calendrier des événements à venir, notamment aider à comprendre les enjeux européens, connaître notre projet pour l'Europe et nos propositions. Et à quelques mois des élections européennes, je pense et j'espère que ces ateliers et conférences ont répondu à vos attentes. Et dans le cadre de la préparation de notre congrès, nous avons voulu aussi permettre le débat sur des questions qui y seront à l'ordre du jour. Les questions de transformation nécessaires de notre parti, celles des directions, et nous avons voulu organiser un échange autour des textes proposés au débat, puis au choix des communistes. Évidemment, ces temps avaient surtout pour objectif de vous mettre en appétit et aussi, je l'espère, de vous aider demain à organiser ces débats dans vos sections et vos fédérations. Alors je dirais que de richesses que nous aimerions partager avec tous nos camarades qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, ces trois jours. Ce partage, il va être possible puisque les interventions, ateliers comme conférences seront bientôt à disposition sur le site du PCF, sur le site de l'Université d'été, avec cette année une nouveauté, les vidéos. Sachons donc les faire circuler. Et je voudrais redire aujourd'hui que cette université d'été, nous avons décidé, la direction nationale, de la prolonger en créant une université permanente dès cet automne, mais Guillaume a donné des éléments vendredi. J'invite aussi celles et ceux qui ne l'auraient pas encore entre les mains à repartir avec les cahiers du Congrès, un document élaboré sous la direction du collectif IDÉE, un document qui rassemble plusieurs notes qui ont pour objectif de partager ensemble des repères dans une société en pleine mutation. Après ces trois jours, j'aurais presque envie de vous poser une autre question, pas une question, en cette fin de l'université d'été, qu'allez-vous faire de tout cela? Car ici, nous sommes un parti politique, une force organisée qui veut transformer la société. Nous sommes des militantes et militants, pas que des commentateurs d'actualité, ni des supporters politiques. Pierre Laurent, hier, a précisé le contexte particulier de cette fin d'été 2018 et de cette rentrée politique après un an de présidence de Macron. Je n'y reviendrai pas. Il a appelé surtout à organiser, à poursuivre la riposte à cette politique dévastatrice pour notre modèle social, pour notre démocratie et pour nos vies. Riposte pour la mettre en échec. Et il a montré en quoi, sans nier les difficultés, les obstacles, que nous avions aussi des bases solides pour traverser la tempête et que plus que jamais nous avions à les cultiver. Alors ne sous-estimez
pardon, ne sous-estimons pas ces bases solides. Et ce que j'ai envie surtout de vous dire, c'est que nous savons, vous savez faire beaucoup de choses pour être une force utile, pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens, pour engager des combats politiques et pour recréer de l'espoir dans le pays. Vous savez, nous savons mettre en acte la solidarité avec les journées à la mer. Le chiffre de 15 000 personnes, 5 000 de plus que l'année dernière, peut paraître dérisoire comparé aux 22 millions de personnes et d'enfants privés de vacances. Mais quel parti politique peut en faire autant? Pour nous, solidarité et dignité ne sont pas que des mots. Et où cette année, ce sont plus de sections et plus de fédérations qui se sont lancées dans ces journées. Et comme le disait Thierry Horry, notre responsable aux actions solidarité concrète, samedi dernier, quand il accompagnait, je crois, environ 1700 personnes de l'Oise et de l'Aisne, comme disait Thierry, nous, on ne se fait pas construire une piscine privée, nous, on emmène les gens à la mer. Les ventes solidaires de fruits et légumes. 80 points de vente en Île-de-France, mais aussi des points de vente dans les autres régions. Notre objectif, c'est de faire vivre la solidarité concrètement pour améliorer la vie maintenant et pour engager des batailles sur le droit de rémunération décente des producteurs à une alimentation saine, à l'heure où le combat contre le glyphosate reprend la visibilité avec le jugement contre Monsanto. Le droit à une alimentation abordable pour toutes et tous. Je sais aussi ce dont vous avez été capable de participer concrètement à la lutte contre la réforme ferroviaire en soutenant les cheminotes et les cheminots en grève avec vos collectes. Vente de badges, tout cela compte pour mener des batailles dans la durée, même si on sait que ce n'est pas suffisant, comme bien on vient d'en discuter avec Laurent Brun. Et je sais qu'à quelques jours de la rentrée scolaire universitaire, nous allons avec nos élus, aller à la rencontre des parents, des jeunes, des personnels de l'éducation nationale pour porter l'exigence de la gratuité de l'école, pour dénoncer la scélérate sélection mise en place par ce gouvernement et pour accompagner et accueillir les lycéens, plus de 60 000, je crois que c'est même plus, sans aucune affectation en établissement supérieur. Oui, ici, nous voulons dire à Madame la Ministre, arrêtez vos tours de passe-passe. Ça suffit, maintenant il faut trouver des solutions pour nos jeunes. Et je sais aussi que les jeunes communistes, le MJCF, l'UEC, sont à pied d'œuvre pour mener cette bataille. Ils ne sont pas les seuls, tant cette sélection ainsi que les réformes du bac, du lycée professionnel, vont bouleverser comme jamais notre système éducatif et abîmer notre jeunesse. Je sais également que nous allons poursuivre nos combats pour la libération de notre camarade Salah Mouri, qui vient de passer plus d'un an dans les geôles israéliennes sans que le président de la République de notre pays ne daigne lever le petit doigt pour sa libération. Et je salue les initiatives que nous avons prises pendant ces 3 jours pour envoyer un message à Salah Mouri et au-delà à tous les prisonniers politiques. Vous avez mené pour accompagner, aider les migrants, exiger un accueil digne dans notre pays, alors que notre gouvernement déshonorait la France en n'ouvrant pas un port français à l'Aquarius ces dernières semaines. Et qu'à l'occasion du 22 septembre, vous allez faire résonner plus fort le mot paix dans tout le pays, dans le monde, vous engager aux côtés du mouvement de la paix pour réussir les marches pour la paix dans tout le pays. Je le disais, nous ne sommes pas des commentateurs de l'actualité politique, et nous savons qu'il ne sert à pas grand-chose d'expliquer aux gens que tout va mal pour eux. Ce que nous voulons, c'est d'aider, c'est de construire partout dans le pays à développer la mobilisation citoyenne et populaire contre cette politique austéritaire pour faire grandir des solutions progressistes. Macron a annoncé mercredi dernier qu'il ne lâchera rien de sa stratégie et de sa politique, comme si rien ne s'était passé cette année. Comme si les luttes et le mécontentement grandissant n'existaient pas. Comme si l'augmentation du chômage, la baisse de la croissance, la baisse du pouvoir d'achat n'étaient que des illusions. Comme si la page de l'affaire Benalla était tournée. Comme si l'année écoulée n'avait pas révélé la vraie nature de sa politique, la vraie nature de sa façon d'exercer le pouvoir. Et quand il dit « nous ne lâcherons rien »,
c'est pour engager une nouvelle réforme, une nouvelle série de réformes, aussi dévastatrices que celles de l'année écoulée. Et aujourd'hui, publiées dans un journal du dimanche, les annonces du Premier ministre qui confirme bien ce tapis de bombe, comme disait Olivier d'Artigol dans les médias, qui s'annonce pour la saison 2 de Macron. Alors nous aussi, nous disons, nous ne lâchons rien. Alors que la France est championne du monde de l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40, allons-nous laisser baisser les budgets, les finances moquées aux services publics, aux collectivités locales, baisser les salaires, les pensions sans rien dire? Allons-nous laisser ce monarque continuer son entreprise de concentration des pouvoirs dans ses seules mains pour mieux servir le monde de la finance? Certainement pas. Président des riches, président méprisant, c'est ce que ressentent une très grande majorité de nos concitoyens. Ce soi-disant pognon de dingue que Macron veut continuer à prendre dans les poches des familles les plus modestes, dans celles des retraités, des travailleuses et des travailleurs, pour les distribuer aux plus riches, nous allons mener campagne pour inverser les choses. Nous allons proposer partout dans le pays et à la fête de l'humanité d'aller récupérer l'argent, les milliards d'euros qui sont planqués dans les paradis fiscaux, l'argent d'évasion fiscale. Nous allons aussi exiger que les milliards d'euros qui ruissellent sur les actionnaires comme jamais nous soient rendus. Et nous allons commencer cette campagne avec une carte pétition. Vous avez pu en récupérer pendant ces 3 jours, pour engager dès demain une campagne de contact et de signature. Nous en ferons notre campagne politique pendant la fête de l'humanité, dans les allées, dans les stands de vos fédérations, de vos sections et du Conseil national. Alors vous allez rentrer maintenant dans vos départements, et je sais que toutes et tous, vous avez à cœur de réussir le prochain rendez-vous, le rendez-vous de la fête de l'humanité. Cet été, les efforts que vous avez faits, que nous avons engagés pour accélérer un maximum de placements de la vignette bon de soutien, en est la preuve. Il nous faut poursuivre et amplifier la mobilisation pour qu'un maximum de vignettes de bon de soutien soient placées et réglées à l'humanité qui en a besoin pour faire face à de nouvelles dépenses. Le 28 septembre, nous tiendrons le prochain rendez-vous national à Paris, place de la Fontaine des Innocents, mais je sais aussi que dans beaucoup de départements, régions, des rendez-vous se préparent d'ici le 14 septembre. Alors d'ici la fête, allons à la rencontre de centaines de salariés, de citoyens qui se sont engagés dans les luttes, dans les collectifs, dans toutes les multiples luttes que nous avons menées à leur côté cette année. Invitons-les à participer à ces 3 jours pour qu'ils viennent dire, exprimer leurs exigences et engager ensemble les combats à venir. Voilà en quelques mots ce que je sais de nous, de vous, de notre énergie, de notre fraternité et combativité militante. J'espère que vous avez bien rechargé vos batteries pendant ces 3 jours pour poursuivre et engager les batailles qui nous attendent. Et je vous souhaite un très bon retour dans vos départements. Et à la